Welcome in my apartment tour. Bienvenue dans mon appartement tour. Ça va faire 1 an et 5 mois qu'avec mon copain nous habitons dans cet appartement. Et littéralement avant il y avait absolument rien de chez rien. J'avais déjà fait une vidéo YouTube où mon appartement, bah, vous l'avez découvert en même temps que nous, vide de chez vide. Donc là on est littéralement dans la rénovation complète. Donc on a tout acheté et c'est pourquoi j'ai fait un appartement tour aussi tard. Et puis c'est parti. Donc ici, je vous ai ouvert ma porte. Ici, nous avons tous les tableaux électriques, donc je pense pas que ce soit utile. Là, vous avez notre rangement à chaussures. Donc littéralement, on a déjà plus de place. Mais bon, franchement, il rentre parfaitement ici. C'est un rangement à chaussures que j'ai trouvé soit sur Cdiscount, soit sur Amazon. Ici, on a un porte-manteau. Voilà, avec des manteaux. Ici, je vous montre après. Et ici, je vous montre après. Nous allons passer à la pièce maîtresse de l'appartement. C'est parti. Vous êtes actuellement dans mon salon. Mon salon, clairement, il n'y avait rien. Enfin, vraiment, peut-être aller voir la vidéo pour comprendre avant, mais il n'y avait vraiment rien. Quand je vous dis, il y avait des murs et un sol et un plafond. Il n'y avait vraiment rien d'autre. Donc voilà, là on est vraiment sur une petite décoration très cocooning. Avec mon copain, vous allez très vite le comprendre, on adore le blanc et le beige. Donc il n'y a littéralement que cette couleur dans l'appart. Notre plante, c'est une plante que nous avons récupérée de chez ma mère. Elle s'appelle Pépette. Voilà. Ici, nous avons un meuble télé qu'on a acheté à Ikea entre 70 et 80 euros max. Voilà, avec notre télé, la PlayStation. Ici, j'ai plusieurs sacs. Donc, j'ai un petit sac en fait et un autre que j'utilise en fait pour ranger toutes mes bouteilles pour ma lampe berger. Voilà, donc en gros, c'est toutes les centaurettes qui sont rangées là. Là, pareil également. Et à l'intérieur, j'ai aussi une lampe à diffuseur huile essentielle. Voilà, donc je range tout ça ici. Et là, bon, c'est ma housse pour ma lampe berger qui est juste derrière, je vous montre après. Ensuite, ici, on a des boîtes. Bon, là, c'est un peu plus de la déco, ces deux-ci. Et là, j'ai une autre boîte. C'est la boîte à jeux de mon copain. Donc, vous avez les jeux de la PlayStation, les lunettes 3D pour le cinéma. Voilà. Voilà, voilà. Oh, putain. Ici, on a deux roses éternelles que mon copain il m'a offert. Voilà. Donc elles sont trop belles, donc je les laisse ici en décoration. Juste au-dessus, sur le meuble télé, nous avons un HomePod. Donc l'enceinte Apple a fait un putain de bruit. La voisine elle est méchante, elle aime pas quand on met l'enceinte. Du coup on est obligé de mettre la musique sur la télé, la preuve étant, voilà. On l'allume mais rarement quoi. Ici, juste derrière, je l'ai caché parce qu'il y en a qui trouvent que ça leur honte. Mais bon, je l'ai caché, question de design. Mais en gros, j'ai ma Wii. Bon, c'est la Wii de mon mec. Mais bon. Donc, elle se cache derrière. Voilà, voilà. Ici, c'est mon coin selfie, quoi. Outfit et tout. Un miroir. Un miroir. Style haussmannien. Lui, best affaire. J'étais avec ma mère à Jiffy. Si je raconte pas de bêtises. Ouais, Jiffy, hein. À Jiffy. 99 euros. Une pépite de chez Pépite. Parce que franchement, on voit tout leur outfit. Taille humaine. Il est super nickel. Ici, nous avons une grande lampe que j'aime trop. Elle fait hyper, vous voyez, mood haussmannien, parisien chic, quoi, j'adore. C'est une lampe qui vient de chez Ikea. Donc je crois qu'elle s'achète en deux fois, vous achetez le pied et l'abat-jour. Parce que l'abat-jour en fait, on l'a pris pour cette lampe, mais c'est un abat-jour que vous pouvez mettre aussi sur d'autres lampes. Bouton,
Donc les deux cadres là, ils viennent des puces de vin. 40 euros l'unité, donc les deux on en a eu pour 80 euros. Par contre, ça coûte cher, faut négocier, c'est un marché quoi. Ce cadre là, c'est nos amis qui l'ont offert en fait pour mon copain pour son anniversaire. Ce cadre là, au marché Puce des Vendres, on l'a récupéré aussi. Par contre, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de fond non plus, donc on attend toujours de trouver la pépite à mettre dedans. Donc là, ça fait littéralement 1 an et 5 mois toujours que le truc est vide. On attend le coup de cœur quoi. Voilà. Pour la table, c'est une table, je crois qu'on avait acheté sur Cdiscount, je sais plus, en tout cas sur internet on l'avait acheté, je crois peut-être 80 euros, un truc du genre. C'est une table magique, je vous explique, parce que avant d'habiter ici, si vous me suivez vous le saviez déjà, j'habitais dans un appartement de 21 mètres carrés. Et bah en gros, j'avais pas de salon à titrement parlé parce que c'était aussi ma chambre. Donc j'avais de l'utile à l'agréable, une table basse qui faisait table à manger. Voilà, donc vous pouvez littéralement manger dessus parce que ça vient à hauteur quoi. Donc ça, c'est trop bien. Ça évite de vous tuer le dos en mangeant comme ça quoi. Donc trop bien. Donc à l'intérieur, je pense que vous l'avez vu et vous êtes hyper méga choqués. Moi aussi, je suis toujours choquée quand j'ouvre ce truc. Mais il y a un sacré bordel. Mais c'est du bénéf parce que ça veut dire que voilà, c'est une table avec un coffre de rangement caché à l'intérieur. Ce canapé là, c'est littéralement une pépite. C'est un canapé qui vient de chez Ikea. Canapé beige, convertible avec coffre de rangement à seulement 600 euros. Là, vous pouvez dormir. Un. Et deux, bon. Si vous enlevez ça, ça vous fait littéralement un grand lit double, quoi. Pour le coffre de rangement, c'est au niveau du L. Vous ouvrez, voilà. Le bazar qu'il y a dedans, c'est tous mes trucs de peinture. Si jamais je me fais de la pub, hein, j'en profite, mais j'ai un compte Instagram, ça s'appelle Avenue Elisa. Je fais toutes mes créations de tableaux, voilà. Donc je fais des tableaux quoi, je peins. Merci. Faut optimiser l'espace quand vous avez un appartement, pas un appartement, maison. Quand vous avez un appartement, c'est bien d'avoir vraiment des rangements où vous pouvez cacher votre merde quoi, tout simplement. Ce bougeoir là, je suis obligée de vous montrer. C'est mon copain qui est allé dans le sud, voir ses amis qui nous ont offert ce tableau. Il l'a récupéré dans un marché. Donc vous voyez vraiment là-bas, il y a des pépites. Hein. Franchement, pas cher. Je crois que c'était peut-être 5 euros. Voilà. Incroyable. Ça, sur Paris, 30 euros. Cette partie-là, du coup, qui se trouve juste derrière le canapé, vous avez une verrière qui vient de chez Ikea. Franchement, j'ai une putain de mémoire. Je suis choquée. Elle a coûté à peu près 140 euros. On va dire ça. Donc en gros, ici, on y range notre vaisselle, et juste en dessous, c'est le même principe, vous voyez, cache-misère, genre. Je montre pas ça sur mes vidéos YouTube parce que bon, je picole pas avec vous, mais bon, quand il y a nos potes, vous voyez, genre, on a boire, c'est dangereux. Hein. Non, parce que sinon, je vais me faire censurer ma vidéo. Moi, je suis pas prête. Ici, une bibliothèque, un peu bancale, mais. T'as capté, c'est une bibliothèque avec des livres de recettes et des trucs pour lire. Voilà, et le truc qui est apparent parce que il y a une vitre. Ah bah là, oula, là c'est. Attendez. Oula, mais là c'est super bien rangé. Il y a mon mec qui m'a ramené ça. Il est parti. Voilà. En fait, il y a tout qui est écrit sur la tasse. Je suis allée à la montagne et j'ai pensé à toi. Voilà. Il m'a aussi pris une pinte pour la bière. J'adore la bière. Ici, nous avons mon trépied pour faire des tableaux parce que, comme je vous l'ai dit, je fais des tableaux, n'hésitez pas à me suivre. La forceuse, tu sais. Ici, nous avons une lampe que mon copain aussi, lorsqu'il est allé dans le sud, il a récupéré dans un marché antiquaire. Ici, on a un pouf qu'on a acheté chez Action, peut-être 10 euros ou 20 euros. Je sais plus.
Du coup, juste ici, on a ma table à manger qui vient de chez Maison du Monde. Elle a coûté 150 euros. Voilà. Et juste dessus, c'est ma mère qui me l'a offert. C'était sa grand-mère qui l'avait fabriqué. Voilà, donc c'est une petite nappe en maille brodée. Ici, on a deux chaises tout doux qui vient des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Wistengrad. Une marque, j'arrive jamais à dire son prénom. Mais en gros, c'était 40 euros ou 50 euros la chaise. Donc vraiment pas cher. Donc on en a pris deux. Elles sont toutes douces, elles sont magnifiques. Ici, on a une petite cloche qu'on a achetée chez IKEA. Voilà. Sur ce mur-là, on a une décoration. Tous les cadres, ils viennent de chez IKEA. Et toutes les photos qui sont à l'intérieur, on les a achetées sur les quais des bouquinistes de Paris. Donc voilà, on s'est fait plaisir à choisir plein de monuments de Paris. J'ai une lampe qui est magnifique, qui vient aussi de chez IKEA. Elle est tactile. 1, 2, 3. Voilà. On a mis des boîtes Pierre Hermé, des macarons Pierre Hermé. Bon, on a mis ça en décoration, on trouvait ça sympa. Ça, c'est mon frère qui me l'a donné, donc je sais pas. Ça, c'est ma mère qui me l'a offert. Je crois que ça vient de chez Action. Nous avons une cuisine ouverte dans le salon, salle à manger. Donc voilà, c'est une cuisine qui n'existait absolument pas. Notre cuisine d'avant n'existait pas en fait, littéralement. Donc on a fait une cuisine sur mesure chez IKEA. Je crois qu'on en a eu pour peut-être 1200 euros en tout. Sans l'électroménager, hein, forcément. Je tiens à remercier Clément, mon père et mon mec, c'est eux qui l'ont construit littéralement, la cuisine. Voilà. C'est un petit clin d'œil parce qu'il faut le dire quand même. Hein. Nous avons un... Je sais jamais comment on appelle ça. Chandelier lustre. Ah, je sais plus. Ben, voilà, une sorte de chandelier mural, quoi. Magnifique. J'ai acheté, quand j'étais en vacances avec mes parents en Vendée, mon père il a grave négocié, donc c'est 20 euros le lustre. Et celui qui est là-bas dans le couloir, vous le verrez après, c'est le même. Donc en gros, les deux, 40 euros en tout, donc tout bénef. Ici, on a une cloche que ma mère m'a donnée, je sais pas d'où il vient, peut-être Action. C'est le pot à fourre-tout. Voilà. Des petites décos qui viennent de chez Primark, que ma belle-sœur et mon frère m'ont offert pour mon anniv. Donc là, il y a la petite senterette. Ma lampe berger aussi. Voilà. Dont les produits parfums que je vous ai montrés sous le meuble télé. C'est pour ça. C'est un placard à épices. Donc franchement, c'est un gain de place, ce genre de choses. En plus, j'avais toujours rêvé d'avoir un placard comme ça. Genre, je trouve ça trop stylé. Genre, c'est caché, genre. Voilà. Donc, ma cuisine. Ici, nous avons une poubelle qu'on a achetée chez Monoprix. Ça, je l'avais déjà dans mon ancien appart. Vous savez que c'était le seul truc que quand les gens venaient chez moi, ils disaient que c'était vraiment le seul truc qui était beau. Genre, il y avait tout mon appart où j'essayais de me défoncer pour avoir une décoration de malade. Les gens, ils rentraient dans la cuisine, ils disaient oh, elle est super stylée ta poubelle. Alors que ici, Dieu merci, les gens rentrent, ils disent l'appartement est beau. Vous voyez la différence? Enfin bref. Sous l'évier, nous avons un placard, voilà, avec des produits, etc., etc. Un lave-vaisselle, Dieu merci, la bénédiction. C'est un lave-vaisselle également qui vient de chez IKEA. Les deux trucs viennent de chez IKEA, comme ça on est sûr des dimensions, ça rentre. Il est moins grand qu'un lave-vaisselle standard, mais franchement, pour deux personnes, voire même trois, franchement, il fait entièrement l'affaire. Franchement, il est incroyable. Donc par contre, lui, il a coûté, à lui seul, je crois, au moins 400 euros, ouais, au moins 400 euros. Donc c'est relativement le prix d'un lave-vaisselle grand. Mais bon, là on pouvait pas faire autrement. Et ici on a un autre placard. Donc avec de la nourriture. Voilà. Avec des casseroles et de la nourriture. Voilà. Pour faire des petits déj jolis. Si vous avez vu ma morning routine, vous le connaissez. Un micro-ondes que ma tante et ma mamie m'ont offert pour Noël. Il est trop bien, regardez, ça fait miroir. Tu me vois dedans? Voilà. Ici, bon, on a un rangement. Oh merde! Voilà, c'est le tiroir que j'ai jamais accès, donc je fourre tout dedans aussi. Voilà, c'est des plantes séchées, voilà. Ici,
Voilà, c'est le petit coin petit-déj avec... Oh putain, je vois un truc. Ma super cafetière, super stylée, qui vient de chez Craigate. Vous pouvez faire du café et un mousseur à lait. Donc super génial. C'est pas la même marque, mais on aurait pu le croire. Moulinex, 20€ la bouilloire, peut-être 30 ou 40€ le grippin. Celle-ci, je crois qu'elle a coûté peut-être 110€, je crois. Ici, nous avons le mixeur pour mixer. C'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle ne l'utilisait plus. Donc voilà, One Life, je fais des pâtisseries maintenant. Un frigo, voilà, donc il est un peu plus petit qu'un frigo standard. On est deux, donc logique. Vous avez un super vase pour les fleurs, il est magnifique. Il vient de chez Primark, je crois 10 balles. On a un putain de seau à champagne, magnifique. Je l'ai acheté quoi, 20€. Et là, on a de la vaisselle, aussi vintage. Il vient d'une brocante dans le sud que nos amis ont offert. Je pose ça au-dessus du frigo parce que j'ai pas la place. Et nous avons notre chambre. Dans notre chambre, nous avons un lit. Wow. Sans déconner. Celui-là a coûté, je crois, 300 ou 400€ sur Amazon. Il est super génial parce que il y a un endroit pour tout. Cache misère. On cache tout. J'aurais dû. Eh, c'est pas appartement tour, c'est appartement escroc, genre. Il est molletonné. La tête de lit aussi, elle est molletonnée. Et un putain de coffre de rangement en dessous, incroyable quoi. Donc 300€, ça les vaut largement. Vous avez mes enfants, chien, doudou. C'est celui que je saigne le plus hein, parce que je fais ça. Putain, fallait pas me lancer. Donc en gros ce doudou, il a plus d'entrailles, voilà. C'est parce que voilà, c'est celui de ma naissance. Et bah je le sens, j'ai une addiction. Il y en a, je sais, ils sucent leur doudou. C'est un peu bizarre hein, mais il y en a, ils me mettent dans la bouche. Je trouve ça dégueulasse. Vous allez dire que c'est peut-être dégueulasse aussi de les sentir. Mais il est toujours dans mon linge propre. Donc oh putain, on va rire. Poupoun, c'est mon copain qui me l'a offert. Et il a été gagné dans une fête foraine. Donc sur la gauche de la chambre, nous avons tout un dressing, on va dire, placard, qui viennent tous de chez Ikea. 80€ le placard, on en a pris deux. Je vous montre mon côté, voilà. Bon, peut-être un peu moins en bas, mais regardez plus en haut. Voilà, il y a des trucs, quoi. Ici, on a aussi un meuble de chez Ikea, où on met nos sous-vêtements. J'ai fait une collab, et je suis toujours en collaboration avec Look Fantastic. Ça vient de chez Look Fantastic. C'est un frigo de skincare, my dream, my fucking dream. Aussi un sauna facial, là vous avez mes masques pour le visage, etc, etc. Ici, qui est caché, c'est un tapis de yoga qu'on a acheté à Decathlon. Il est hyper molletonné, genre il est incroyable. Et on a deux chaises d'appoint, voilà, c'est des chaises qu'on utilise pour les invités si on est quatre à table. Et voilà, on les sort, voilà. Sur ce mur-là, nous avons des guirlandes lumineuses qu'on allume le soir pour faire une ambiance nuit étoilée, quoi. C'est super sympa. Mais vous voyez, quand c'est pas allumé, franchement, ça reste hyper discret. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Par terre, vous avez... voilà. En fait, c'est tous mes trucs pour les cheveux, quoi. Et des parfums vides. D'ailleurs, n'hésitez pas à garder vos flacons de parfums vides. Si c'est de la marque, vous avez moins 20 ou moins 30% chez Sephora Nocibé. Dès que vous voulez en racheter un autre, donc ça fait des économies quoi. Donc ici vous avez toute la partie coiffeuse avec mon magnifique fauteuil qui vient, je sais pas parce que c'est mes parents qui me l'ont offert, tout en moumoute, il est incroyable. Nous avons à la base de chez Base, ce n'est absolument pas une coiffeuse mais plutôt un meuble d'entrée, mais j'en ai créé une coiffeuse. Voilà, ce meuble là, je vous le mets en description, je sais plus d'où il vient. Il est top parce que il y a du rangement. Sur ma coiffeuse, vous avez un miroir que j'avais récupéré
dans mon ancien hôtel. Là, vous avez tout mon plateau, de parfums, un peu de produits, etc. Une petite boîte à bijoux qui était à ma grand-mère. Un parfum. Et là, vous dites, oh, c'est vintage. Ah ouais, forcément, ça revient encore des marchés antiquaires. Un bougeoir qui vient de chez H&M, je sais plus le prix. Nous avons une fiole pour une rose éternelle. La fiole vient de chez peut-être Action, je crois, donc peut-être 5 euros. Un vide-poche en coquillage qui vient de chez Saint-Malo. C'était une boutique qui a fermé malheureusement, donc j'en ai pris 5. Nous avons un pot qui vient de chez Action. Maison du Monde, un petit pot que vous pouvez utiliser pour mettre ce que vous voulez dedans. Donc moi j'ai mis mes pinceaux à maquillage. Vous voyez que c'est un peu la même que qui est dans le salon. C'est le même design Ikea. Ça, et elle s'allume comme ça. Trop génial, elle est trop magnifique, trop magnifique. Un de mes nouveaux achats que j'ai fait la semaine dernière, c'est sur Amazon que je l'ai acheté, c'est une boîte à rangement pour cacher les prises. Tout est caché. Mur là, à côté de ma coiffeuse, nous avons des cadres qui viennent de chez Ikea. Je vais encore prendre 8 ans pour trouver quoi mettre dedans. De ce côté-ci, vous avez Marine Light, incroyable, que mon copain m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Si vous me suivez sur Insta, cette année, il m'a fait un putain d'anniversaire. N'hésitez pas à aller le voir. Super sympa. Ce miroir-ci, c'est un miroir que j'ai retrouvé à côté des poubelles dans ma résidence. Donc moi, j'ai vu le miroir, j'ai dit pourquoi ? Moi, je l'ai pris, je l'ai nettoyé. Il est magnifique. Magnifique. Et ici, nous avons une petite colonne. Alors, je sais pas, peut-être Ikea, je pense. Je sais plus. Donc ici on a des sacs de shopping, voilà, bref. Ici on a ma bonbonnière avec mes bons blushs. On a mon sel de bain. Et on a de chez Look Fantastic aussi. Ah mais il est pas dedans. Bah non, il est dans le lit. C'est mon cache-yeux pour dormir, en soie. On a le sac pollen que mon copain veut faire. La boîte pour les pinceaux à make-up qui sont là-bas. Là c'est le côté de mon mec, donc c'est ses parfums, ses montres. Voilà, des courtes Prada. Et là, c'est tous mes sacs à main. Parce qu'ils sont tous entassés comme ça. J'ai hâte d'avoir vraiment une vraie maison où je pourrais vraiment avoir un vrai rangement respectueux pour les sacs à main. Parce que voilà, ça fait fourre-tout, quoi. Voilà, voilà. Donc, ma chambre, elle est comme ça. Voilà, je l'adore. C'est vraiment mon endroit à cocooning, quoi. Ici, vous avez la porte d'entrée. Le porte-manteau, comme tout à l'heure. Juste ici, vous avez les toilettes. Je vous les montre à la fin, pour finir sur une petite touche sympa. Donc ici vous avez un couloir qui est super large quand même. Attends, est-ce que... Oui, il est large. Il est large. Ici un chandelier, pareil que celui qui est dans le salon, que du coup dans les antiquaires, en Vendée, à 20 euros l'unité, voilà. Donc magnifique, j'adore. Mon aspirateur. Acheté à Darty pour 70 euros. Nous avons la salle de bain. Attendez avant que j'ouvre la porte. Je vous laisse découvrir. Alors, ici nous avons la salle de bain. Donc en gros, la salle de bain, je vais être transparente avec vous. Je vous montre tout le temps que la baignoire parce que elle est super belle, elle est magnifique. Donc voilà, la baignoire, nous avons des étagères qui viennent de chez Amazon. Ok, là je vais vous monter l'autre partie, on doit parler. Du coup la machine à laver, on ne pouvait pas la mettre malheureusement dans l'autre sens. Donc quand on ouvre, ça gêne un peu, mais bon, elle a le mérite d'être ici. Ça évite d'aller à la laverie, c'est bénef. Ici on a un meuble lavabo qui était déjà présent avant notre arrivée. Le chauffe-eau qui a été remplacé. Il y a 2 mois ou 3 mois parce qu'il a lâché et on a eu un petit problème. J'ai réfléchi à l'envers à un moment donné. Vous voyez, quand il y a de la buée dans une salle de bain que vous vous douchez, ça fait de la chaleur, de la buée. Et ben moi j'avais dit à mon mec, on arrête d'ouvrir la fenêtre parce que ça séchera plus vite. La chaleur, ça fait sécher les cheveux plus vite, donc ça fera sécher plus vite les murs. Bah non, j'ai une putain de fenêtre. Et donc moi, l'air frais, je pensais que ça faisait pas sécher aussi rapidement une salle de bain.
Et donc finalement, ah non mais j'apprends de mes erreurs, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais du coup, ça nous a fait cloquer la peinture sur les murs. Bon, c'est pas grand-chose, hein. On gratte, on met du plâtre, on ponce, coup de peinture, c'est en deux-deux. Mais bon, là, littéralement, j'ai eu trop de galères dans ma vie. J'ai grave pas le temps pour ça, donc je le ferai plus tard. Donc voilà, ça le mérite d'être là. Enfin, du coup, non, ça le mérite pas, mais j'apprends de mes conneries, donc ça le mérite d'être là. Ici, nous avons un sac. C'est là-dedans, j'ai. Bon, en gros, j'ai tous mes trucs de brushing, de sèche-cheveux et tout. Je le laisse là parce que ici, c'est pratique. C'est pratique de le faire dans une salle de bain parce que voilà, j'ai ma petite prise qui est là, j'ai mon miroir qui est là. Et ici, du coup, la dernière pièce qui se trouve juste à l'entrée, des toilettes séparées. C'est super sympa quand il y a des invités. Voilà. Avec une fenêtre quand même. Donc c'est plutôt sympa. C'est super sympa. Du coup voilà, donc j'ai fini mon appartement de tour. Ça faisait hyper longtemps que je devais vous le montrer, donc je suis hyper contente d'avoir fait la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, donc il fait 43 mètres carrés, donc 970 euros de loyer. Avec tout ça, on a une cave. On est hyper heureux ici, c'est près de notre travail, donc que du bonheur quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que je vous ai pas mis en description, des références et tout. N'hésitez pas à me les demander, je vous répondrai avec plaisir, hein. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à vous abonner à mon Insta, il est trop stylé. Allez, bisous, je vous aime.